Une petite table, une pomme, un vase renversé, des coussins vert foncé, un baldaquin à rideaux cramoisi. Un lit. Une rose. Une chaise renversée. Un bouquet de fleurs. Un tabouret. Une porte avec serrure et verrou. Un homme, une femme. En 1777, un dessin proche du verrou et signé Fragonard passe en vente. C'est une esquisse rehaussée de l'habit brun. Le tableau a donc été peint vers cette époque. Les tableaux les plus fameux étaient diffusés sous forme d'estampes. Un graveur, Maurice Blot, donne en 1784 une première gravure du verrou. La toile appartient alors à la collection d'un riche amateur, le marquis de Véry. Le marquis meurt en 1785. Le verrou est vendu avec ses autres tableaux. Il représente un intérieur d'appartement dans lequel sont un jeune homme et une jeune fille. Celui-ci fermant le verrou de la porte, l'autre s'efforçant de l'en empêcher. La scène se passe auprès d'un lit dont le désordre indique le reste du sujet. Le verrou est acheté par le marchand Lebrun, le plus grand expert en tableaux de son temps. Il passe dans la collection du fermier général Grimaud de la Reynière, qui le remet en vente pendant l'époque révolutionnaire. Il est racheté par Lebrun. Le verrou disparaît. Mais les gravures, très recherchées, en font une des images les plus populaires de Fragonard. Le tableau réapparaît en 1922. En 1933, il est vendu sous l'étiquette attribuée à Fragonard. En 1969, il repasse en vente au Palais Galliera sous la mention École de Fragonard. Il est acheté 55 000 francs par le directeur d'une galerie parisienne. Restauré, il est remis en vente en 1974. Une subvention spéciale du ministère de l'Économie et des Finances permet au musée du Louvre d'acheter le verrou, un peu plus de 5 millions de francs. Commencent alors plusieurs polémiques. Les uns prétendent que la toile acquise par le Louvre est l'une des copies en circulation, mais pas l'original disparu pendant la période révolutionnaire. Les autres vont plus loin, en affirmant qu'entre la vente de 1969 et l'acquisition par le Louvre, des modifications ont été apportées à la toile. Les draperies ont été transformées. La pomme a doublé de volume. Comme si on avait voulu faire ressembler la soi-disant copie du verrou à la gravure de Blot.
L'examen de la toile au laboratoire a permis de l'authentifier et d'expliquer ses contradictions. On retrouve dans le verrou tous les caractères d'autres œuvres tardives du peintre. La toile est fine, mais irrégulière. L'analyse à l'infrarouge ne révèle aucun dessin sous-jacent ni aucun repentir. Les craquelures présentes dans la couche picturale sont semblables à celles des autres œuvres de Fragonard. Des craquelures rondes, dites en escargot, trahissent la faiblesse du support. Elles sont par exemple visibles aussi dans la chemise enlevée. Des craquelures prématurées affectent le drapé jaune de la robe. En séchant moins vite, la couche inférieure entraîne la formation de larges crevasses dans la couche jaune. Ces défauts ont été réparés à plusieurs reprises dans le passé. La photographie en fluorescence ultraviolette montre des lignes noires qui correspondent à ces restaurations. Enfin, des craquelures d'âge plus tardives sont dues au mouvement de la toile. La pomme est traversée par les mêmes craquelures d'âge profondes que le reste de la toile. Elle n'a donc pu être peinte ni agrandie récemment. C'est justement parce que ces craquelures affectaient la pomme que des restaurations assez malhabiles avaient tenté de les camoufler. Ces retouches, qui réduisaient la pomme et modifiaient les draperies, sont visibles sur les clichés des ventes de 1969 et de 1933. Le dessin passé en vente en 1777 diffère du tableau par de nombreux détails. La pomme a roulé à terre, la jeune femme regarde de biais son séducteur, les plis de sa robe sont bouffants. Il existe un certificat d'authenticité de la main de Fragonard lui-même. Un second dessin est très proche de celui-ci. Un troisième dessin est plus dépouillé. Une esquisse de petite taille, 26 cm sur 32, a été peinte sur bois. Elle aussi présente des différences notables avec le tableau. Le jeune homme est blond. La jeune femme a les yeux ouverts. Il n'y a pas encore de pomme. En passant de l'esquisse au tableau final, Fragonard a donc beaucoup agrandi la composition, 73 cm sur 93. Il a aussi simplifié la scène, éliminant tout ce qui pourrait distraire le regard. Un même rayon de lumière éclaire la porte, le couple, le bord du lit et la pomme. Cette lumière marque la diagonale du tableau. Les rideaux, le lit, la nappe ou les vêtements sont parcourus par des réseaux de plis modulés. Le peintre affectionne les torsions ascendantes. La jambe droite de la femme amorce une courbe qui se prolonge dans le dos et le bras droit de l'homme. Les plis principaux de la robe se concentrent vers le ventre de la femme et semblent se poursuivre dans le pli de la chemise de l'homme. Quelques formes géométriques plus strictes, table ou porte, viennent contrarier cet assemblage de courbes souples et rythmées. Dans le passage de l'esquisse au tableau, une mutation s'accomplit. L'esquisse était traitée en teintes plutôt froides et claires. Le tableau, lui, est modulé en teintes chaudes et sombres. Le blanc de plomb est utilisé avec un peu de noir pour les vêtements du jeune homme. Après un premier traitement en grisaille, Fragonard a superposé des glacis opalescents. Le même blanc mêlé d'un peu de vermillon sert de base aux carnations.
Le rideau est obtenu avec du vermillon, mêlé à de l'ocre dans les zones d'ombre. Les coussins sont vert sombre, peut-être un mélange de bleu de Prusse et de jaune de Naples. Le jaune est la couleur de Fragonard. Dans ses tableaux, il semble en exploiter toute la gamme. Pour la robe du verrou, le peintre utilise du jaune de Naples pur. Cette même couleur est présente en mélange dans tout le reste du tableau et lui donne une teinte dorée. Ainsi, le verrou est composé à l'aide de cette seule palette très réduite, noir, blanc, jaune, vermillon, ocre, vert. Au cours de sa carrière, Fragonard a développé des styles fort différents. Lors de ses voyages en Italie, il a subi l'influence de la peinture vénitienne. Un probable séjour en Hollande l'a initié au clair-obscur de Rembrandt et aussi à sa touche déliée. Les figures de fantaisie, en effet, sont des sortes d'ébauches où la touche très apparente donne une impression d'extrême vitesse. Mais Fragonard sait aussi peindre des personnages et des objets aux contours précis. Au retour de son second voyage en Italie, le peintre veut prouver qu'il peut suivre la mode. Le verrou conserve plis et courbes du rococo et la touche déliée, mais il présente déjà les caractères plus méticuleux du style néoclassique qui naît à cette époque en France. Les tableaux de Fragonard sont rarement situés dans un contexte historique précis. Ils font cependant écho aux mœurs plutôt libres du siècle. Le peintre, contemporain de Buffon ou des encyclopédistes, raconte l'histoire naturelle de l'amour. La poursuite. La surprise. L'amant couronné, l'amour-amitié, quatre panneaux que Fragonard peint entre 1771 et 1773 pour Madame du Barry, la favorite de Louis XV. Ce travail sera finalement refusé par la du Barry, qui préférera faire appel à un autre peintre. D'autres tableaux font pénétrer le spectateur au sein des alcôves. Le feu aux poudres. Une jeune fille seule, qui n'a plus que sa chemise, gît dans son lit, prête à être enflammée par l'amour. La chemise enlevée. Le même petit amour aide la fille à se débarrasser du dernier voile léger qui couvrait sa nudité. Le verre d'eau. Le tableau disparu n'est connu que par une gravure. Le galant vient de faire éruption par surprise dans la chambre où la femme couchée est presque nue. Il essaie de faire basculer le matelas pendant qu'une servante complice s'apprête à jeter un verre d'eau dont on devine qu'il ne suffira pas à éteindre le feu qui brûle l'héroïne. La gimblette. Une jeune fille dans le désordre d'un lit s'amuse avec un petit chien auquel elle tente une gimblette, une sorte de biscuit. Une autre version est plus directe. Le biscuit a disparu et bien serré entre les jambes repliées de la fille, la queue du petit chien se fait caressante. Les débuts du modèle. Une entremetteuse vient offrir une toute jeune fille à l'artiste qui l'examine.
Les petites curieuses, deux filles se cachant derrière des rideaux, jettent des pétales de rose vers le spectateur. Peut-être ce spectateur est-il couché dans un lit clos. Comme pour les mœurs, les tableaux de Fragonard illustrent les modes des élégants de son temps. Vers 1780, les hommes avaient les cheveux relevés devant en toupet, frisés sur le côté et longs derrière, serrés en catogan. Ils portaient une chemise, un gilet à manches longues et un habit à la française échancré sur le devant. Et souvent, par-dessus, une sorte de cape-manteau, la roquelaure. Ils s'habillaient aussi d'une culotte dite à la bavaroise, arrêtée aux genoux. Culottes et bas étaient serrés par des jarretières boucles. Sous la culotte, ils portaient un caleçon de toile. Ainsi, dans la scène du verrou, l'homme est en chemise et en caleçon. Il a ôté culotte, souliers et bas. Les femmes portaient des nœuds bouffants autour du cou et des rubans dans les cheveux. La robe, fendue jusqu'à la taille, s'écartait pour laisser voir la jupe, parfois de couleurs différentes. Les pans de la robe pouvaient être retroussés et, grâce à des fentes ménagées dans la jupe, enfoncées dans des poches. Manches et jupons étaient fixés à un corps à baleine très serré et lacé dans le dos. Sous ce corps à baleine, les femmes portaient une grande chemise, mais aucun sous-vêtement. C'est le sens d'un tableau célèbre de Fragonard, Les hasards heureux de l'escarpolette. Un amoureux, dissimulé dans les feuillages, découvre émerveillé ce qui se cache sous les jupes de la jeune femme que propulse de plus en plus haut un complice. Des bas étaient maintenus au-dessus du genou par une jarretière. Dans le verrou, la femme a perdu ses rubans. Elle est décoiffée. Les plis de sa robe sont sortis de leur poche, mais elle a encore tous ses vêtements sur elle. Ces indices vestimentaires, comme la position des objets dans la pièce, permettent de reconstituer l'histoire racontée par le verrou. Le jeune homme a entraîné la jeune femme dans une chambre. Il est brun, très musclé. Il n'appartient peut-être pas au même monde qu'elle. Il a jeté rapidement sa veste sur une chaise. Il a dénoué les cheveux de sa compagne. Il l'a entraînée vers le lit. La torsion des rideaux montre qu'il a ouvert l'alcôve. L'écrasement des coussins et des draps témoigne de leur premier baiser, de leur caresse, de leur enlacement. Il a été facile pour le garçon de se débarrasser furtivement de ses souliers, de ses bas, puis de sa culotte. Par contre, le délassage de la robe, de la jupe et du corps à baleine prendrait bien trop de temps. D'ailleurs, dans les étreintes furtives, le séducteur n'avait qu'à soulever l'ample brassée de jupons, de jupe et de robe pour accéder aussitôt à l'objet caché de son désir. Jusque-là, la femme se sentait protégée par le risque d'intrusion d'un étranger dans la pièce. Mais les caresses sont allées trop loin, son séducteur est presque nu contre elle, elle sent qu'elle n'a plus de défense. Elle bondit du lit vers la porte, sa robe traîne encore sur le lit. La chaise est renversée, le vase roule, le bouquet finit à l'autre bout de la pièce.
Tout en continuant à enlacer étroitement sa compagne, l'homme la devance. Il la soutient. Elle est pantelante. Il repousse le verrou. Elle tend le bras pour l'en empêcher, sans grande conviction. Sa main droite se pose sur la bouche de son compagnon, mais c'est désormais plus un geste de tendresse que de refus. C'est la dernière seconde de sa résistance. Le lit est grand ouvert derrière elle. Elle va céder. Elle a déjà cédé. Le succès de sa gravure poussa Blot à en donner un pendant. La promesse de mariage, ou le contrat, peut être inspiré d'un autre tableau de Fragonard qui, lui, a disparu. Cette nouvelle estampe de Blot est une sorte d'interprétation. Au mur sont accrochés des dessins. Le spectateur peut y reconnaître les silhouettes du verrou et celles de l'armoire. Or, l'armoire est un dessin que Fragonard lui-même a gravé. Cette fois, l'amant, qui semble avoir pris ses habitudes, est surpris par la famille au moment où il vient de se cacher. Le verrou, l'armoire et le contrat formeraient ainsi une sorte de petit roman en trois chapitres, la séduction, les amants surpris, la régularisation du lien. De nombreuses autres images, souvent bien plus vulgaires, ont paru à la fin du XVIIIe siècle et interprètent à leur manière le verrou. L'inutile résistance, la dispute de la rose mal défendue, poussée ferme, abat le verrou. Nous avons la clé, il a trouvé la serrure. Ça ira. Ça a été. Une biographie du peintre, parue une dizaine d'années après sa mort, raconte que le verrou aurait été peint à la demande du marquis de Véry pour servir de pendant à un tableau réalisé auparavant par Fragonard, l'Adoration des bergers. Les deux toiles ont les mêmes dimensions, et en 1785, en effet, elles passèrent en vente comme des pendants. Même si cet appariement semble étrange, il faut peut-être y voir une variation sur l'opposition classique entre amour sacré et amour profane. L'innocence de la Vierge et de l'enfant nouveau-né serait ainsi opposée à la passion amoureuse. Et la pomme prendrait donc là tout son sens. C'est le fruit du péché originel. À l'instigation du démon, Ève l'offre à Adam. Croquer la pomme, c'est commettre le péché de chair. Le vase renversé a une forme longue et étroite. Dans la mystique chrétienne ou dans la poésie érotique, le mot vase est une métaphore du sexe féminin. Il gardera ce sens en argot. La cruche fêlée ou la cruche cassée dans les compositions du XVIIIe siècle, comme chez Greuze, prennent ainsi parfois un sens trivial. Dans le verrou, le vase n'est que renversé, mais la vertu de la jeune fille ne tient plus qu'à un fil. Même symbolisme pour les fleurs qui, dans l'iconographie chrétienne, comme dans le folklore européen, symbolisent la virginité des filles. Protéger sa fleur ou sa rose doit être le principal souci de la jeune fille bien élevée. La chaise renversée se voit souvent dans des scènes de séduction. Parce qu'elle a les jambes en l'air, elle évoque la bousculade des amants. Tous les plis de la robe de la femme convergent vers son ventre comme autant de flèches de Cupidon. Le verrou, lui, est censé garantir la sécurité des femmes. Il est même une image de la vertu. Mais ici, le verrou va protéger surtout le séducteur contre les importuns qui pourraient venir l'interrompre dans son entreprise. L'élimination par l'homme du danger extérieur accroît pour la femme le danger intérieur. Rompre le verrou, faire sauter le verrou, l'instrument appelle des images de viol. Et d'ailleurs, avec sa tige centrale coulissante, le verrou est lui-même un objet des plus ambigus. Thank you.
Le lit occupe plus de la moitié de la surface du tableau. Fragonard s'est fait le chantre du lit. Il l'explore dans une trentaine de toiles et dans d'innombrables dessins. Rideau, cordon, ruban, oreiller, polochon, matelas, coussin, enfante ce lieu magique, le lit, théâtre de tous les théâtres, tout y aboutit, tout y commence. Dans le feu aux poudres, la couleur du feu, celle du désir, cerne le lit, envahit le gris bleu et le blanc des draps, du corps, et surtout, tache fauve d'une fine toison pubienne en flamèche dansante, le feu est déjà dans la place. Dans l'instant désiré, le feu a tout gagné. Les corps des deux amants sont mêlés aux formes du lit, des oreillers et traversins, aux plis onctueux des draps et des rideaux écartés. Avec sa forme de conque, ses bords ourlés comme des lèvres, ses plis convergents vers un nœud qui les ferme, le lit lui-même est souvent comme un sexe ouvert. Ou alors les draps sculptent en pleine lumière la figure même de ce qui reste pourtant bien caché. Dans les petites curieuses, la fente et les plis des rideaux, les pétales de rose évoquent tout ce que le désir peut imaginer. Io reçoit Jupiter sous forme d'une nuée qui ressemble fort à un traversin. Dans la résistance inutile, le saccage de la literie témoigne de l'ardeur de la mêlée et brouille les formes. Au premier regard, on comprend mal à qui appartient la paire de jambes. Édredon, polochon, draps, vêtements prennent des formes équivoques, deviennent fesses, sexe, bouche. Le verrou montre les deux amants arc-boutés l'un contre l'autre, cuisse contre cuisse, dansant l'ultime pas de la parade sexuelle. Peut-être en fin de compte n'ont-ils pas le premier rôle, ni le verrou, qui donne son titre au tableau, mais qui n'est qu'un frêle accessoire. À la fois féminin, avec ses plis de chair rouge, ourlant des profondeurs d'ombre, et masculin, avec son relief pointé en pleine lumière, peut-être le lit est-il le personnage principal de la scène.